Le compte à rebours est lancé, c'est le grand retour de la Première Ligue sur Vous Sport. Nous sommes prêts à remonter sur le terrain, à revenir dans les stades pour vivre une belle, une grande saison. Qui dit nouvelle saison de Première Ligue dit nouveau contrat pour Vous Sport, qui dit aussi nouveau studio, mais avec des vieilles connaissances. Salut Jean-François. Très heureux de vous retrouver en tout cas et de retrouver aussi tous les amateurs de foot anglais. Donc on va se régaler. Même chose pour Philippe, que l'on accueille sur le plateau. Nouvelle saison, donc heureux de découvrir la nouveauté et de voir si les choses vont changer ou vont être encore meilleures cette année. Et puis vous connaissez la formule, nous sommes aussi en collaboration avec Vision du jeu, représentée par Christian Schakel. Bonjour Christian, alors j'espère que vous avez eu l'occasion de vous reposer pendant les vacances, parce qu'on rappelle le principe, vous analysez chaque but, vous en sortez des modèles offensifs, défensifs, et puis on les met en perspective dans l'émission. On rappelle combien de buts ont été marqués la saison dernière en Première Ligue ? Bonjour Serge, bonjour messieurs. C'est 1071 buts la saison passée, on va essayer de faire mieux et on va essayer de vous servir ça sur un plateau et vous expliquer comment ça va se passer pendant toute cette saison. Alors, qui dit début de saison dit beaucoup d'espoir chez les supporters, pas mal de doutes aussi pour certains, mais de toute façon, Jean-François, cette saison sera à nul autre pareil parce qu'il y aura déjà une trêve, la première de l'histoire de la Première Ligue entre la mi-novembre et le 26 décembre. Oui, on va vivre ça pour une première fois, puisqu'il n'a jamais été possible de faire une Coupe du Monde à une autre date que au mois de juin. Cette fois-ci, c'est possible. Je ne sais pas ce qui a fait changer d'avis. On s'en doute. tout ça pour dire tout simplement que oui, on va avoir une trêve. Nous, ça va nous perturber peut-être un petit peu dans les calendriers. Il va y avoir des matchs un petit peu qui vont se bousculer. Bref, on va vivre ça comme tout le monde. Hein. Ça nous est un petit peu imposé. Mais il n'empêche quand même qu'on s'attend à vivre une saison de Première Ligue passionnante. Le seul petit avantage de cette Coupe du monde là, c'est que peut-être que les joueurs seront un petit peu plus en forme, c'est ce qu'on nous dit en tout cas. Oui, en tout cas ceux qui n'auront peut-être pas été à la Coupe du Monde, parce que les autres, ils auront évidemment été sollicités. C'est vrai, après la Coupe du Monde, ce sera la chute. Voilà, l'impact va être important après la Coupe du Monde, surtout sur les championnats les plus durs, je pense. On rappelle que Vous Sport suit la Première Ligue au plus près. Oui, on rappelle surtout que tous les premiers matchs des journées sont en direct sur Divertissez-vous. Et puis moi, je voudrais rappeler quand même le dispositif. On a le jeudi, évidemment, le PL Club qui va lancer le week-end anglais. On a aussi tous les matchs en direct. On a le Golf Saudade du samedi après-midi. Et puis l'Europe des 11 qui revient après sur le déroulement des rencontres, l'analyse. Et donc voilà, on garde évidemment tout ça pour les passionnés. Donc on sera là beaucoup. Rajouter un petit truc, alors je sais que ça n'a rien à voir avec le football anglais, mais rajouter quand même que cette saison, il y a une petite nouveauté, c'est qu'on a deux matchs de Ligue 1 aussi qui seront diffusés tous les week-ends. Donc, vous avez bien raison de l'ajouter, parce que ça augmente évidemment l'offre de Vous Sport World. Alors Philippe, autre particularité, on va retrouver officiellement maintenant 5 changements durant les matchs de Première Ligue. Ce n'était pas le cas la saison dernière, on l'a vu un petit peu pendant le Covid, donc ça c'est aussi un autre grand changement. Donc ça va aussi évidemment influencer, et on sait que les clubs qui ont un plus gros noyau vont en bénéficier. Oui, les premiers qui avaient demandé, c'était Klopp et Guardiola d'ailleurs, hein, quand ils avaient rechangé vers les 3 changements. Je pense que l'expérience dans les autres championnats a montré que ça apportait quand même quelque chose. Maintenant, on joue quasiment partout comme ça, y compris en Coupe d'Europe. Bon, les Anglais peuvent être différents, ils l'ont toujours été, mais à un moment donné, il faut quand même se rendre compte aussi du bénéfice qu'on peut tirer, surtout avec des saisons aussi chargées, du fait de changer plusieurs joueurs. Est-ce que vous êtes prêts pour la première rencontre ? On est prêt. C'est du côté de Selhurst Park. Ce sera vendredi à 21h. Ce sera donc aussi sur Divertissez-vous. Crystal Palace accueille Arsenal. On en parle après ceci. Un derby londonien pour commencer le championnat, c'est pas étonnant parce que c'est évidemment la capitale du football anglais, avec en plus Fulham hein, qui monte en Première Ligue et qui va ajouter des derbies en plus. Alors on va commencer par évoquer cette équipe de Crystal Palace, assez discrète durant la période de Mercato. C'était la première saison de Patrick Vieira, gros changement évidemment par rapport aux quelques années de Roy Hodgson avant, où le football était, on va dire, très simplifié, mais efficace, parce qu'ils ont réussi à se maintenir pendant de longues saisons. Patrick Vieira, la saison dernière, une première, 12e, 48 points, et franchement, beaucoup de satisfaction. Oui, et un premier match perdu face à Chelsea la saison dernière, donc on verra. Après Chelsea, c'est un autre derby londonien, mais face à Arsenal cette fois-ci. Moi, je suis curieux de voir comment Vieira aura
pu, surtout maintenant qu'il est là depuis une saison, peut-être mettre quelque chose, son empreinte en place. Donc on va voir, on va observer ça évidemment. Je resterai quand même sur le fait que ça restera une équipe, à mon avis, du milieu de tableau, qu'ils ne viendront pas lutter avec sans, les meilleurs. Sans menace de relégation la saison dernière, ça c'était vraiment la bonne chose. 12e cette saison-ci, avec un bilan tout à fait raisonnable, un goal average positif finalement, puisque 50 buts marqués pour 46 buts encaissés. Donc voilà, une équipe équilibrée, avec des trous, j'ai envie de dire, au mois de novembre, au mois d'avril. Jusqu'à novembre, jusqu'à fin avril. Donc là, il y a un trou un petit peu qui a fait que voilà, ça les a mis un petit peu, ça les a fait redescendre au classement. Mais pour le reste, c'est une équipe sérieuse, on va dire ça comme ça, de première ligue. Une équipe rajeunie. Oui, mais ça a été la saison de l'adaptation, enfin du changement plutôt pour Vieira, qui a modifié le style de jeu de l'équipe. Le résultat, ce n'est pas tellement différent de ce que Crystal Palace avait fait avant au niveau du classement. Cette saison-ci, la direction va avoir un objectif supérieur, c'est d'être dans la première moitié du tableau, je pense, avec une confiance retrouvée dans le fait qu'on peut aussi prendre des matchs en main, ce que le Crystal Palace de Hudson ne faisait que très rarement. On se contenter de faire des contres en général et d'attendre l'adversaire. Et Vieira, c'est quand même un petit peu différent, mais il a les moyens de faire comme ça. On l'a découvert quelques joueurs intéressants. Hein. Eze la saison dernière, Olise, Zaha est toujours là. Mais cette saison, on n'a pas trop parlé de transfert, alors que pendant des années, on parlait de Nana Christian transfert Benteke pour lui. Aussi. Qui est Christian Benteke, là. Évidemment, qui est toujours resté. Une arrivée, Cheikh Doucouré, pour remplacer un joueur qu'on connaît bien, Cheikh Okuyate, qui lui était en fin de contrat. Donc pas beaucoup de changements dans cette équipe. Hein. Non, pas beaucoup de changements. Je dirais que c'est une équipe quand même qui reste sur 5 matchs en défaite. Hein. Les 5 derniers matchs de la saison dernière, c'est 5 matchs en défaite avec 3 victoires et 2 partages. Donc voilà, ils étaient dans une dynamique positive. Il faut voir si ça va redémarrer sur cette dynamique-là, évidemment. Mais malgré tout, je trouve que c'est une équipe voilà, qui ne nous fera pas de surprise. On sait comment ça va se passer. Il y aura des bons moments, il y aura des moins bons moments. Mais voilà, c'est une équipe sérieuse de Première Ligue. La surprise, c'est de battre Manchester, là ou l'autre d'ailleurs. Hein. Crystal Palace y est arrivé régulièrement. Alors, pas de changement dans l'équipe, Christian, mais il y a quand même un absent qui va laisser un grand trou. C'est Conor Gallagher. Bon, on s'y attendait, Christian, parce qu'il avait été prêté par Chelsea la saison dernière. Il avait le profil d'un jeune joueur qui avait besoin de temps de jeu en Première Ligue. On peut dire qu'il a vraiment répondu aux attentes. Ah, c'est sûr qu'il a fait une saison exceptionnelle, hein. On va le voir sur l'infographie de Conor Gallagher. Il a marqué 8 buts et il a fait 3 passes décisives, donc c'est un élément, une compétence qu'il va falloir remplacer. Je ne suis pas sûr que Doucouré peut reprendre ce rôle-là, mais bon, Doucouré peut aussi marquer sur des frappes hors rectangle, donc il va peut-être compenser. Mais c'est surtout cette compétence de Conor Gallagher qu'il va falloir remplacer, et surtout pour les centres au cordeau et pour quelqu'un qui vient de la deuxième ligne. Alors il faut quand même savoir qu'on a quand même Christian Benteke, qui est un joueur exceptionnel dans le rectangle, qui était très fort de la tête et qui, dans le système de Vieira, qui est plus ou moins un système de mise en place défensive d'abord, eh bien il n'y a pas eu énormément de centres et donc il n'a pas beaucoup pu s'exprimer. Donc il faudra en fait passer beaucoup plus par les flancs cette saison et compenser le départ de ce joueur qui est rentré à Chelsea et qui était l'une des meilleures cotes des joueurs prêtés par Chelsea à l'extérieur. Et donc il va pouvoir avoir sa chance dans cet effectif, mais comme on peut le voir sur les images, il n'hésite pas du tout à se placer au point de penalty, à s'infiltrer de la deuxième ligne et d'être là pour pouvoir remiser ou pour pouvoir terminer des ballons au cordeau. Bon, il reste encore un mois évidemment de mercato, mais c'est un joueur qui va être très difficile à remplacer. Reste un mois de mercato, ouais. C'est ce que je vous retourne. Non, alors c'est étonnant parce que je trouve que parallèlement à d'autres années, peut-être, on avait vu des clubs comme ça beaucoup plus bouger. Cette année-ci, ça n'a pas encore énormément bougé. Donc on s'attend évidemment à un mois où on va suivre ça avec beaucoup d'attention, mais ça va aller dans tous les sens encore. Et les équipes auront eu l'occasion de jouer quelques matchs, de se rendre compte peut-être des manquements, même si ici, Christian pointe déjà évidemment quelque chose d'extrêmement important pour une équipe comme Crystal Palace. Mais voilà. Il faudra ajuster. Alors Christian, on a vu que cette équipe a évolué avec Patrick Vieira, qu'elle avait plus de jeu, qu'elle avait envie d'avoir plus le ballon, mais il y a aussi un élément important dans lequel cette équipe a évolué. On a dit qu'elle a terminé 12e au classement. Par contre, elle était les meilleures dans vraiment une particularité du modèle offensif. Vous vous souvenez, hein, tout au long de la saison, on a expliqué pour des équipes moyennes l'importance des phases arrêtées, mais surtout de pouvoir être très fort en transition et de marquer beaucoup de buts sur reconversion rapide. Eh bien, ils l'ont fait la saison passée, même si c'était un peu moins bien vers la fin de la saison. Mais bon, là, ils les étaient sauvés. On le voit, hein, ils ont marqué 10 buts
sur reconversion rapide. C'est 20% de leurs buts, c'est énorme. Et regardez où ils se situent dans le classement des équipes qui ont marqué le plus de buts sur reconversion défensive. Eh bien, ils sont proches de Manchester City, de Manchester United, qui était aussi une équipe qui se projetait rapidement vers l'avant, de Liverpool. Et on voit en fait que leur concurrent de ce dimanche, ben, il est là aussi dans ce classement. Donc, on risque de voir des très belles transitions ce week-end. Et j'espère qu'ils vont pouvoir continuer à marquer comme ça. Et comme évoqué dans le sujet précédent, essayer de pouvoir exploiter les flancs et de donner des ballons pour Benteke qui pourra avoir un impact beaucoup plus important que la dernière saison. Pour ça, il faudra que Benteke soit titulaire, ce qui n'était pas trop le cas sur la fin de son dernière. En tout cas, ça doit être la saison de la confirmation pour le Crystal Palace de Patrick Vieira, parce que les supporters sont contents. Ils voient un petit peu plus de jeu qu'avec Hodgson, même s'ils respectaient énormément le vétéran, le manager vétéran anglais. Mais il y a plus de jeu, il y a plus d'efficacité, notamment sur les reconversions. Donc voilà, ça devrait être la saison de la confirmation. Ça devrait. Donc on va rester sur cette question-là, parce que je n'ai pas sorti ma boule de cristal, malheureusement. On n'en a pas. La seule chose, évidemment, c'est que l'adversaire qu'il rencontre dès la première journée est un adversaire extrêmement solide. Oui. Et là aussi, on a énormément d'interrogations sur les Gunners. Et là aussi, on se dit, mais qu'est-ce que ça donnera ? Donc c'est peut-être un premier match qui va déjà donner quelques indications sur la suite. Je pense que le fait de bien démarrer, alors quand je dis bien démarrer, c'est bien jouer pour Crystal Palace, ça déterminera aussi la suite du mercato, certes, mais aussi sur le plan sportif. La saison dernière, Crystal Palace avait battu Arsenal. Et on va parler de cette équipe d'Arsenal. On rappelle quand même que les Gunners terminent 5e la saison dernière, alors qu'ils sont 4e à quelques journées de la fin, et notamment une série de 3 défaites consécutives qui les fait plonger, qui permet à Tottenham de passer au-dessus. Donc on termine quand même la saison sur une déception du côté des Gunners. Et là, les supporters la recommencent avec énormément d'espoir, parce que ça a bougé durant l'été. Ils ont cartonné pendant la préparation. Ils ont transféré à n'en plus finir. C'est, je pense, la deuxième mercato où c'est Arsenal qui dépense le plus d'argent. En Angleterre, oui. Pas en Europe. Mais en Angleterre. La saison dernière, c'était en Europe. Cette saison, c'est l'équipe qui a le plus dépensé en Angleterre, effectivement. Je vois Gabriel Jesus, Zinchenko, Fabio Vieira, Matt Turner, Marquinhos, un jeune ailier brésilien. Donc, avec un noyau de plus en plus riche. Il y a une interrogation qu'on peut se poser quand même, c'est Mikel Arteta pour sa 4e saison. Là, il est attendu cette fois-ci. Oui, ça fait en 2 mercato d'été, 300 millions d'euros plus ou moins dépensés. Ça fait un joli bas de l'âne. Il faudra terminer dans les 4 premiers ce coup-ci. Ah, je pense que cette fois-ci, il a eu beaucoup de crédit jusqu'à présent parce qu'il avait gagné la Cup dans les 6 premiers mois. La saison du Covid, il gagne la Cup. Après, il est 8e. Et puis maintenant, 5e. Donc là, il faudrait être dans le top 4. Ça, c'est une certitude. Oui, parce que j'ai oublié d'évoquer aussi le retour de Saliba, qui a fait une super saison à Marseille et qui retourne donc du côté d'Arsenal. Ça fait 3 ans qu'il est Arsenal. Il a été prêté chaque fois. Il est retourné dans le championnat français. Cette fois-ci, ça a l'air d'être la bonne. Il a commencé la saison avec Gabriel, avec Ben White. Et ça a l'air de bien fonctionner parce que, comme vous l'avez dit, ont été très bons dans les matchs de préparation. Ouais, c'est 7 matchs de préparation, c'est 6 victoires, une défaite seulement. Il y a encore la défaite. C'est un match où il avait mis sur l'équipe B. Donc voilà. Mais je reste quand même avec cette équipe toujours extrêmement prudent. Parce que quand on commence, entre guillemets, à jouer pour de vrai, on va voir. Ça se complique. C'est là que ça se complique. Mais je pense qu'ils ont... C'est la réputation des Gunners. C'est la réputation des Gunners, exactement. Okay. Mais ils ont été chercher peut-être un joueur qui n'avait pas un élément extrêmement important. Qui n'avait plus. Je crois vraiment au transfert de Gabriel Jesus comme quelque chose qui peut être une clé, peut-être, pour ouvrir ce fameux top 4. De toute façon, il a déjà marqué beaucoup de buts en préparation. Donc ça, c'est un bon signe quand on intègre une nouvelle équipe de marquer souvent. C'est ce qu'on lui demande de faire. Et moi, je reviendrai un peu sur la saison passée. Je sais bien que les supporters d'Arsenal ne vont pas être trop d'accord avec moi, mais je pense qu'ils ont quand même montré pendant toute la saison, sauf ces 3 derniers matchs où ils ont perdu. Ce n'est pas les 3 derniers, c'est une série juste avant. Les derniers matchs, ils gagnent, mais ils sont sur la dernière ligne droite. En Ligue des Champions. Mais avant ça, ils avaient montré une équipe quand même beaucoup plus intéressante que les saisons précédentes. Et Arteta est toujours là, malgré le nombre de fois où on a dit qu'il n'allait pas durer. Il est toujours là. Est-ce que c'est sa dernière saison? Je ne sais pas. Peut-être que c'est la saison de la révélation d'Arsenal et d'Arteta et que ce sera un candidat au titre. Alors, pour savoir si Gabriel Jesus est le chaînon manquant du côté d'Arsenal, on se tourne évidemment vers Christian parce qu'il a analysé les buts de Gabriel Jesus du côté de Manchester City et il va pouvoir nous dire si son modèle de jeu correspond à celui d'Arteta et d'Arsenal. On se souvient que le modèle de Manchester City, c'était d'un peu partager l'ensemble des buts et l'ensemble de l'efficacité sur un nombre très important de joueurs. Et donc, il faisait partie
de ses joueurs. Et donc, il a marqué 8 buts la saison passée. Alors, regardez, ce qui est très intéressant ici, c'est qu'il n'y a aucun but qui est marqué sur reconversion rapide. Donc, ça veut vraiment dire qu'il faisait partie de ce système depuis plusieurs saisons de Guardiola, où on s'impose dans les 40 derniers mètres, et il était celui qui terminait les actions, soit sur centre, soit sur un ballon légèrement profond venant de la deuxième zone, et il était vraiment très important dans ce système-là. Ici, on va attendre de lui qu'il soit capable de marquer sur des reconversions rapides, qu'il soit capable de marquer aussi sur du jeu dominant placé, et il va avoir une responsabilité beaucoup plus importante. Alors, est-ce qu'il va pouvoir s'adapter à ce jeu-là? Parce que on sait que probablement Arsenal ne va pas s'imposer dans les 40 derniers mètres comme le faisait Manchester City. Et donc, il va y avoir cette adaptation. Et on va voir, peut-être qu'il a besoin de jouer un rôle beaucoup plus important qu'il jouait à Manchester City. Et ça va être la grande question de cette saison. Et on va suivre ça dans une sorte de timeline et observer les progrès ou la régression au niveau de son efficacité. Alors, je pense qu'il y a plusieurs éléments qui expliquent que Gabriel Jesus a quitté la lumière, la Ligue des Champions, Manchester City, pour l'ombre, l'Europa League et Arsenal. Sans doute un meilleur salaire, sans doute plus d'importance dans l'équipe et aussi cette place de vrai numéro 9. Parce qu'à City, la saison dernière, il n'a pas vraiment joué numéro 9. Il jouait ailier, plutôt sur un flanc, parfois numéro 9. Voilà, mais c'était beaucoup moins précis que le rôle qu'il devrait avoir. En tout cas, dans la préparation, c'est le vrai numéro 9 d'Arsenal et il s'en donne à cœur joie. Mais on connaît l'expression, parfois il faut reculer pour un peu mieux sauter. Et je pense que dans sa démarche, c'est peut-être ça aujourd'hui. Et je trouve aussi qu'il y a une combinaison devant qui a très bien marché en préparation. C'est avec Martinelli aussi, qui est un joueur extrêmement prometteur. Et donc, il y a une attaque, je pense, qui peut être très, très performante du côté. En tout cas, c'est difficile de faire des pronostics. Mais si je dois me mouiller sur un truc, avant de démarrer cette saison anglaise, ce serait peut-être là-dessus. Je pense que Gabriel Jesus risque d'être une révélation à Arsenal. Je pense même qu'il risque d'être une révélation pour des gens qui, aujourd'hui, considèrent qu'il n'était pas toujours titulaire du côté de Manchester City, mais qu'ici, il va prendre un rôle, à mon avis, très important. Je lisais une interview avec une des stars brésiliennes, Ronaldinho, et qui parlait justement des joueurs brésiliens qui jouent, qui évoluent en Europe. Et il parlait de Gabriel Jesus en disant « Vous allez voir que vous êtes loin d'avoir aperçu tout le potentiel de ce joueur-là. Ouais, » Et c'est une saison de Coupe du Monde, hein, donc il va être motivé. Oui, il joue avec un Brésilien, Martinelli, qui peut aussi exploser dans cet effectif qui a déjà montré... Enfin, il était blessé longtemps la saison dernière, si je me souviens bien. Il n'a pas tellement joué. Sur la fin, il jouait quand même. Mais sur la fin, il a montré beaucoup de choses aussi, donc ça peut être un duo extrêmement intéressant. Et en plus, il retrouve Zinchenko, qui peut lui apporter les ballons normalement sur le flanc gauche, même si on sait que Zinchenko peut aussi jouer dans l'entrejeu. Ça pourrait être une solution aussi pour Mikel Arteta. Et Mikel Arteta le connaît, Gabriel Jesus, parce qu'il a été, on le rappelle quand même, le manager assistant ou l'entraîneur assistant de Pep Guardiola pendant quelques saisons à City. Donc ça fait quand même beaucoup d'éléments intéressants. Ça fait beaucoup d'éléments intéressants. Et je pense qu'aujourd'hui, alors j'espère qu'on ne va pas se retrouver ici dans quelques mois et qu'on va se dire de nouveau, c'est une déception pour les supporters d'Arsenal. Mais je pense que cette année, il y a une équipe qui est extrêmement compétitive. On doit être prêt à tous les scénarios. Je rappelle qu'on a aussi dans cette équipe d'Arsenal un Belge. Hein, oui. Donc avec Sambi Lokonga. Mais est-ce qu'il va avoir beaucoup de temps de jeu en première ligue? Il n'a pas fait une mauvaise préparation non plus. Il a eu du temps de jeu dans sa préparation. Mais attention, on a vu Vieira, un gros transfert aussi venant de Porto. Il est blessé, il n'a pas encore joué, donc il va jouer dans l'entrejeu aussi. Pour le moment, Chaka est toujours là. Va-t-il partir? Va-t-il rester? Gros point d'interrogation. Je pense que Partey est indéboulonnable, donc il y a quand même beaucoup de monde. Après, il y aura la Coupe de la Ligue, il y aura l'Europa League, il y aura sans doute d'autres possibilités. En tout cas, il a fait le choix de rester à Arsenal, parce qu'il avait la possibilité éventuellement de changer de club. Donc, il a décidé de rester à Arsenal pour avoir plus de temps de jeu et s'imposer. Donc, moi, j'attends de voir ça aussi avec impatience. Voilà, mais ça fait déjà un premier match, en tout cas, avec un Belge de chaque côté. Même s'ils sont sur le banc, ils seront là. Oui, effectivement. Et puis, ce sera un match... On peut avoir des surprises. On peut avoir des surprises. Et puis ce sera un match à Selhurst Park où il y a toujours énormément d'ambiance. C'est le début de la saison, ce sera en plus un derby londonien. Donc c'est un match à ne pas manquer, on le rappelle. Coup d'envoi vendredi 21h. On passe à la rencontre suivante, c'est celle qui oppose Fulham à Liverpool. Le vice-champion Liverpool qui se déplace à Londres, ce sera samedi à 13h30. Donc c'est la première rencontre de samedi. Un petit mot quand même sur Fulham. Voilà, cette équipe, c'est le roi du yo-yo puisque c'est la troisième promotion en Première Ligue en 4 ans, puisque c'est depuis 2018. C'est une équipe qui est trop forte pour la Championship et
trop faible pour la Première Ligue parce qu'elle fait le yo-yo depuis maintenant 4 ans. Ils ont terminé premier de cette compétition difficile, oui, quand même, je le rappelle. Et je vais dire presque facilement. Premier en sans, passant la barre des 100 buts marqués, 106 buts marqués pour 43 buts encaissés. Donc ça veut dire qu'en effet, cette équipe est trop forte pour la Championship. On verra comment ils vont se débrouiller. En même temps, je regardais, c'est le troisième plus petit budget de Première Ligue aussi, avec 187 millions. Donc on est bien loin, évidemment, de milliards et plus de Manchester City. Donc il y a une différence de moyens. De toute façon, curieux de découvrir Fulham d'un côté, Nottingham et Bournemouth de l'autre, évidemment, oui, qui sont les deux autres à rejoindre cette Première Ligue. On verra, en termes de transfert, ça n'a pas encore énormément bougé non plus. Donc, Ils ont perdu Fabio Carvalho, jeune joueur qui a été très bon, hein, parmi les meilleurs en Championship, et qui est passé à Liverpool. Donc il sera de l'autre côté aujourd'hui. Par contre, ils ont gardé Harry Wilson, ancien joueur de Liverpool, qui a été un des meilleurs joueurs de Championship à Fulham la saison dernière. Et puis il y a Mitrovic. 43 buts quand même la saison dernière. Oui, ça reste un buteur extraordinaire. Maintenant, est-ce qu'il est capable de refaire au niveau de la Première Ligue ce qu'il a déjà fait? Il ne l'a pas vraiment fait. Hein. Il a déjà joué à Newcastle en Première Ligue, à Fulham. Voilà, il n'a jamais été à ce niveau-là en tout cas. Moi, je vais redire ce que j'ai dit à la première mission depuis le club l'année dernière. C'est que les équipes qui montent, si elles gardent ce qui leur a permis de monter, à savoir leur effectif, leur manière de jouer, ont plus de chances de se maintenir que les autres. On l'a vu avec Brentford qui a, oui, confirmé ça. Si Fulham fait ça, ne change pas comme ils l'ont fait les autres saisons, si je me souviens bien, en transférant beaucoup de joueurs, ben, ils ont une plus grande chance de pouvoir se maintenir, je pense. Et puis quand ils sont descendus, il y a 2 saisons, on était un peu triste parce que malgré tout, c'était agréable à voir jouer. Donc c'est un retour qui est assez plaisant. C'est un petit stade, un peu bucolique, donc, dans la Tamise. Bon, voilà. Ils ont un transfert, c'est João Palhinha, qui est un international portugais. Pour une Andreas Pereira, Pereira, on connaît aussi. On est en Belgique. Belgo-brésilien, hein. Donc voilà, ça fait un demi-belge à Fulham. Et puis Marco Silva est toujours là. Et lui aussi, on attend toujours de voir s'il est capable d'être un bon manager de Première Ligue, parce qu'il est déjà passé par Hull, Watford, Everton, et ça n'a pas été facile. Ouais. Leno qui vient d'Arsenal. Leno, et éventuellement Kevin Mbambu qui vient de Wolfsburg. Donc on verra comment ils vont s'adapter. Mais enfin, ça va bouger encore de toute façon au niveau transfert, de toute façon. Voilà, en tout cas, ce n'est pas un match facile, hein, pour la première de Fulham, puisqu'ils affrontent Liverpool. On a vu les Reds en Community Shield. Ils ont gagné quand même 3-1 face à Manchester City. Donc déjà un premier trophée, même si ce n'est pas le plus important de la saison. Et là, on va ouvrir, bien sûr, la course au titre. Est-ce qu'on va encore vivre cette saison, ce duo diabolique, ce couple diabolique, Manchester City-Liverpool? On rappelle que la saison dernière, il y avait un point de différence entre les deux. Ça avait déjà été le cas quelques saisons auparavant. En tout cas, sur les 5 dernières saisons, City est champion 4 fois, Liverpool 1 fois. Donc est-ce que ça va de nouveau se jouer entre les deux? On n'a pas la boule de cristal, mais ils sont largement favoris. Bah, ils ont les effectifs pour, ils sont capables de transférer des monstres à chaque fois. Enfin, on parlera de Haaland plus tard, mais c'est compliqué de ne pas voir City comme favori dans la saison. Il faut juste espérer que moi, je pense que des équipes comme Arsenal et Tottenham se sont nettement renforcées, à la fois au terme de mental, de volonté et aussi d'effectifs. Est-ce qu'ils ont la capacité de rivaliser avec eux? Bah, il faudra les battre. Donc ces matchs-là vont être clés dans cette saison. Et puis il faudra être très régulier contre les autres équipes. C'est difficile de faire la boule de cristal, mais il faut espérer qu'au moins 2 équipes viennent un peu les tétiller, ces deux-là. C'est mon sentiment en tout cas, c'est que oui, ils vont dominer la compétition. Oui, probablement que le champion est encore dans ce duo-là. Je rappelle, ils avaient quand même 19 ou 20 points d'avance sur Chelsea, 3e. Il y a un gouffre entre Liverpool, City et les autres. Je pense que ce qui risque de se rétrécir avec quelques équipes, c'est peut-être ce gouffre-là justement. Mm-hmm. Alors j'attends évidemment un peu plus de Tottenham. J'attends un petit peu plus de Manchester United. J'attends évidemment aussi de voir ce qui va se passer avec Arsenal, on vient d'en parler. Donc voilà, une surprise. Newcastle, West Ham, et pourquoi pas une surprise. Exactement. Être près du top 6 ou du top 8 en tout cas. Ouais. En tout cas, il y a eu un gros transfert cet été du côté de Liverpool. Tout le monde en a parlé. C'est l'arrivée de Darwin Núñez, venu du Benfica. Et là, on va évidemment demander à Christian de nous présenter un petit peu ce joueur qu'on ne connaît pas trop parce qu'il a évolué, c'était quoi, 1 an et demi ou 2 saisons du côté de Benfica, mais qui est quand même un des gros transferts européens de l'été. C'est un joueur que je suis depuis le mois de janvier parce qu'il y avait une particularité, c'est que c'est un attaquant qui est très fort sur les reconversions rapides. Et donc je me posais la question de savoir où est-ce qu'il pouvait atterrir. Alors je sais que le Paris Saint-Germain était dessus, ben, finalement il termine en Première Ligue et c'est pas plus mauvais. Voilà, regardez sur l'infographie, il a marqué 26 buts en championnat la saison passée et il y en a 8
qui sont sur du jeu dominant rapide, c'est-à-dire des ballons où l'équipe est en possession de balles et on peut donner des ballons profonds qui peuvent venir de très loin. Vous voyez, j'ai partagé donc en quatre couloirs, quatre zones, et il y a deux buts qui viennent de la zone, de la propre zone défensive, deux buts qui viennent du rond central, et puis trois buts quand on se rapproche, et puis un but, vous voyez, regardez, ça vient de très loin, et donc il va être cette possibilité de construire et d'être efficace quand les ballons sont encore très loin dans le camp de Liverpool. Et voilà, ils avaient déjà fait donc le coup avec Luis Diaz, c'est-à-dire qu'il marquait aussi beaucoup de buts sur le jeu rapide. Ils ont un joueur supplémentaire là-dedans. On voit en fait que Klopp, il est tout à fait sûr de son jeu dominant avec ses ailiers et ses défenseurs latéraux qui peuvent donner des centres sur le jeu dominant placé. Mais il va avoir besoin pendant toute la saison de joueurs qui sont capables de jouer dans la vitesse, de se projeter rapidement vers l'avant. Et lui, c'est vraiment un des meilleurs actuellement sur le marché. Est-ce que ça va donc provoquer un changement dans le modèle offensif habituel de Liverpool ? On a évidemment parlé très souvent du contre-pressing, du fait que c'est une équipe qui prend à la gorge l'adversaire. Là, ça pourrait partir un petit peu plus bas. Oui, mais c'est une option supplémentaire. Hein. On a toujours évoqué en disant, ben voilà, le modèle d'une équipe offensive, c'est comme ça. Mais qu'est-ce qu'on fait quand on est bloqué par l'adversaire ou que l'adversaire essaye de venir nous presser plus haut ? Eh bien, il faut profiter des espaces qu'il y a dans le dos. Et lui, il va être une option pour pouvoir avoir le pourcentage d'efficacité dans ce domaine-là. Avec Luis Diaz, avec Salah, avec Diogo Jota, et donc voilà, c'est toutes des options supplémentaires que Klopp a pour le jeu rapide. Alors, des options aussi qu'il a gardées, parce qu'on le rappelle quand même, Salah a prolongé son contrat, ça a été quand même une des infos importantes de l'entre-saison du côté de Liverpool. Sadio Mané est parti, mais il avait déjà été remplacé quelques mois plus tôt avec l'arrivée de Luis Diaz. Oui, mais c'est ça en fait, cette attaque est d'une richesse incroyable. Si je regarde Liverpool, je regarde énormément de stabilité derrière, énormément de stabilité au milieu. Par contre, devant, il y a eu à peu près en l'espace, je dirais, de deux saisons, un relifting. On a gardé Salah, mais les autres ont quand même pas mal bougé. Oui. N'oublions pas Firmino. Firmino a quand même commencé mais la rencontre. Justement, je voulais justement parler de Firmino. Grand artisan du titre en 2020. Il est à nouveau performant. L'année dernière, Klopp a dit qu'il avait été un petit peu gêné par des blessures, etc. Donc, quelle richesse offensive quand même. Et pour présenter ça un petit peu comme Christian en parlait il y a deux minutes, c'est-à-dire que Firmino, si vous devez jouer dans des attaques placées, ben, ça vous apporte une option. Si vous devez en effet partir avec peut-être des espaces, etc., vous avez Darwin Núñez. J'oublierai pas aussi la surprise que pourrait être un jeune comme Carvalho, par exemple, qui est monté sur le côté gauche lors du dernier match de Liverpool. Donc ça fait énormément d'options pour cette équipe, ça fait énormément d'options pour l'entraîneur, mais je voudrais souligner que toutes ces options-là, elles ont été surtout les chercher dans la zone offensive. Le reste, ça n'a pas bougé. Non, mais par contre, on pourra attendre plus d'un Thiago Alcantara, par exemple. Alors, plus, l'année dernière, il a fait une super saison quand même. Oui, mais... Il a terminé un tout petit peu fatigué, et peut-être qu'à un moment donné, il faudra lui laisser des moments de récupération. En tout cas, en Community Shield, il a fait un excellent match. Donc, effectivement, c'est pour ça que je voulais le signaler, voilà. Parce qu'il a l'air d'avoir retrouvé un niveau qui était quand même celui du Bayern. Je trouvais que la première saison était décevante, la deuxième saison, la saison dernière, était déjà nettement supérieure. Il y avait des matchs qu'il a pris vraiment à son compte et où il avait été excellent. Cette année-ci, c'est peut-être encore un petit pas à franchir encore, mais on a gardé les mêmes, on a même gardé le vieux Milner, donc ce sont les mêmes qui sont là, et je ne mettrai pas de côté une surprise de Mercato encore pour la fin, avec un joueur éventuellement là au milieu. N'oublions pas que Keita peut éventuellement être un joueur intéressant aussi pour venir renforcer le milieu de terrain, donc voilà, il y a une surprise possible toujours. En tout cas, le rendez-vous avec City, ce sera le 15 octobre. Et d'ici là, ils ont un début de championnat assez tranquillou, j'ai envie de dire. Oui, ils étaient un petit peu en avance sur Manchester City. On l'a vu dans le Community Shield, ouais. Parce que City avait moins de matchs de préparation, avait eu moins le temps de préparer. Mais le 15 octobre, ça devrait être une bonne date, évidemment, pour que les deux s'affrontent. Un petit mot quand même sur Jurgen Klopp. Ça va faire 7 ans maintenant qu'il est au club. C'est habituel pour lui, ça oui. Reste très longtemps. Sauf qu'à Liverpool, ça fait longtemps qu'on n'avait plus un entraîneur qui restait aussi longtemps. Ouais. Moi, je crains un peu l'usure quand même pour Liverpool. Je l'ai déjà dit quand on en discutait. Je pense que l'année passée a été psychologiquement très très dur à avaler. Surtout là avec le dernier match, enfin tout ce qui s'est passé dans cette saison. Les deux saisons avant ont quand même été compliquées aussi avec le Covid, etc. Ils ont souffert beaucoup de ça.
Effectivement, l'effectif est toujours aussi impressionnant. Mais je me demande si à un moment, il n'y a pas une usure qui s'est installée dans l'équipe avec Klopp. Et je suis curieux de voir, je ne sais pas. Mais ouais, je crains quand même. Moi, je pense qu'il y a même une nouvelle motivation. Ils perdent le titre avec un point, ils perdent la finale de la Ligue des Champions, ils gagnent les deux coupes. Donc vous savez que j'aime bien être un peu à contre-courant. Oui, mais il faut. Voilà, en tout cas, pour ce rendez-vous, samedi 13h30, Fulham face à Liverpool, on passe à la dernière rencontre que l'on va préfacer, analyser. C'est celle qui oppose West Ham et Manchester City. West, toujours à Londres, du côté du London Stadium, le déplacement du champion en titre Manchester City, du côté de West Ham, où il n'y a pas eu énormément de changements non plus. C'est vrai que ça a été un petit peu la tendance, on va dire, pour les clubs les plus modestes. Et quand je dis modestes, évidemment, ce sont des grands clubs, mais qui ont peut-être moins d'ambition dans le mercato, et ça ne bouge pas beaucoup de ce côté-là. Non, mais moi, je trouve qu'ils ont fait un bon mercato parce qu'ils n'ont perdu personne, en fait. Et donc, c'est déjà extrêmement important. Declan Rice, c'est quand même un élément extrêmement important. Soucek est aussi un... Donc, les garder, déjà, c'est déjà réussir parce que tout le monde le voulait, Declan Rice. Exactement. Ouais, beaucoup d'argent pour l'avoir. Mais... 100 millions, il n'y a peut-être pas énormément de candidats, effectivement. J'ai mis un mot pour ce match, j'ai mis danger. Oui. Parce que j'ai le sentiment que City, quand même, est en danger en déplacement à West Ham. D'autant plus, il faut se souvenir du début de saison Tony Truant de West Ham la saison dernière. Donc, ils avaient très, très bien démarré aussi. Et le début de Manchester City. Il a perdu 1-0 contre Tottenham le premier match. Ouais. Donc, À Londres aussi. Et Londres ne leur a pas réussi la saison dernière. Non, c'est vrai. Si on prend West Ham et qu'on regarde ce qu'ils ont fait comme parcours, ils ont eu à un moment donné, décembre, un gros creux. Donc là, ils se sont mis en difficulté. Ce gros creux est revenu encore en mars et en avril. Oui, ils ont eu des périodes comme ça. Il y a aussi eu l'Europa League où ils ont fait un beau parcours. Et ce n'est pas une équipe qui a un noyau très élargi. Et donc, effectivement, il y a eu des coups de fatigue. Voilà. Et on a un coach qui est là aussi pour sa quatrième saison. Oui. Je notais qu'il est depuis le 29 décembre 2019, donc ça fera... Oui, son deuxième passage à West Ham, on le rappelle. Une demi-saison, et puis après, voilà. Donc, il a des convictions, il est bien là où il est, je trouve. C'est un club qui lui va bien. Oui. Il reste sur deux bonnes saisons, avec en plus l'Europa League, dans le top 8. Donc c'est quand même... c'est une équipe agréable à commenter, à regarder jouer. Oui. Ce sont toujours des matchs assez agréables. Une préparation difficile, avec 4 nuls et une défaite. Ils ont perdu contre qui ? Ils ont perdu contre les Rangers. Les Rangers que l'Union a battu. Ouais. Je le signale quand même parce que voilà. Ouais, les Rangers qui étaient un petit peu plus près dans leur préparation, en tout cas, qui étaient plus avancés. Mais c'était pour placer l'Union. Voilà. On va maintenant passer surtout à Manchester City parce que c'est une équipe avec laquelle on sait qu'il y aura normalement des trophées à la fin de saison. Est-ce qu'ils vont réussir le triplé ? Ça n'a plus été réussi depuis 2009. C'est Manchester United. C'était le côté rouge de Manchester qui avait réussi le triplé cette année-là, 2007, 2008, 2009. Donc c'est tellement compliqué, il y a tellement de concurrence en Première Ligue, mais c'est évidemment l'objectif de Pep Guardiola, qui lui est là depuis 2016. Hein. Lui, c'était jamais arrivé avant dans sa carrière de rester aussi longtemps dans un club, avec évidemment le gros transfert. Il y a pas mal de joueurs qui sont partis. On en a déjà évoqué quelques-uns. Il faut ajouter évidemment Sterling, passé du côté de Chelsea. Mais l'arrivée d'Erling Haaland, et ça fait tellement longtemps qu'on parlait de l'arrivée d'un numéro 9 pour remplacer Agüero, qui était... évidemment moins performant ou blessé sa dernière saison et qui était parti un peu plus d'un an. Il est là, le numéro 9. Est-ce que ça va changer la vie des Citizens ? Je peux difficilement vous le dire, mais à mon avis, il y en a un qui a une petite idée sur la question, c'est Christian. Oui. Parce que je suppose évidemment qu'il a regardé tout ça de près et qu'il peut peut-être nous orienter, lui. Ben c'est bien, vous lui avez tendu la perche. On vous écoute, Christian. Ça va être le gros point d'interrogation parce que est-ce que c'est un œuf qui rentre dans le système de Guardiola ? En observant le modèle de jeu avec Dortmund la saison passée, on voit en fait qu'il marque énormément de buts sur pénalty d'abord et puis sur jeu rapide. Et regardez par rapport à Nunez, la différence c'est que les ballons viennent en fait de cette deuxième zone. Mais il n'y a pas énormément de buts sur centre, il n'y a pas énormément de buts au point de pénalty sur des réceptions. Et donc, on se posait la question dans la préparation avec Serge en disant, mais est-ce qu'il va être exactement ce profil de numéro 9 qu'on attend à la Agüero ? La seule chose que je peux dire où je pense qu'il y a quelque chose de très très intéressant dans son modèle, c'est qu'il donne beaucoup d'assists et donc il est un premier relayeur exceptionnel. Il a donné 9 ou 10 assists en championnat la saison passée. Donc ça veut dire quand même que dans la construction de jeu, dans la perception de se déposer dans les 40 derniers mètres, il va pouvoir être un soutien exceptionnel.
quant à marquer sur jeu du jeu dominant placé et avoir le rôle du neuf, ça c'est encore le point d'interrogation et peut-être en fait que ça demandera une adaptation et une évolution dans son jeu, dans la perception de ses qualités. C'est intéressant ce que dit Christian, parce que moi, dans l'image que j'ai d'Erving Haaland, c'est plutôt une espèce de déménageur qui aime bien les courses, la profondeur, qui bouscule tout son passage et qui marque beaucoup de buts. C'est quand même 86 buts en 89 matchs avec Dortmund, mais les assists, ça, on n'y a peut-être pas pensé directement. Quand il y a mais un buteur ne va pas se contenter d'assists. Non, mais enfin, il avait aussi réussi 23 assists avec Dortmund. Donc ça peut être aussi, justement, il va devoir sans doute en faire plus du côté de Manchester City, être plus complet. Oui, il faudra se nourrir des buts en tout cas. Après, sur le profil du joueur, il est immense, il est costaud. Ouais. Bon, c'est un peu comme Darwin Núñez. Hein, oui, c'est très intéressant de voir qu'ils ont d'ailleurs recruté des joueurs assez semblables. Alors, je ne sais pas si Núñez est aussi bon des deux pieds que peut l'être Haaland. Il est très fort de la tête aussi. Il est bon dans toutes les situations. Quand on le voyait jouer en Allemagne, on se dit mais il s'est marqué de toutes les positions, dans toutes les manières. Maintenant, l'Angleterre, c'est différent, c'est sûr. Puis on va l'attendre, clairement. Alors j'attends de voir un duel avec Van Dijk contre Liverpool. Ça va être... On l'a eu hein, le week-end dernier. Oui, d'accord, on ne peut pas juger sur un livre sur sa couverture. Non. On ne va pas le juger sur un seul match. Quelques grosses occasions. En championnat, quoi. Ouais. Voilà, ouais. C'est ça qui compte. C'est qu'au moment où ils seront prêts. La première n'était pas une réussite pour lui. Mais moi, je pense qu'il y a un autre souci, on n'en a pas parlé, c'est qu'il est quand même assez facilement blessé. Et ça peut être un facteur extrêmement important dans un championnat comme la Premier League, surtout avec le rythme et l'intensité qu'on met dans ces matchs. Mais je vais embrayer sur ce que Philippe dit en disant la question, ce qui pourrait éventuellement poser un problème, c'est imaginons qu'il se blesse, ça peut arriver. Derrière, qu'est-ce qui va se passer? Guardiola va remettre son système en place avec une espèce de faux neuf, parce qu'il n'y a pas d'autres. Jusqu'à présent. Oui, mais parce qu'il n'y a pas d'autres neufs dans le noyau, tout simplement. Donc voilà. Il y en a même moins, puisque noyau parfois drôlement construit quand même, parce que quand je regarde, on peut parler d'un autre secteur de jeu, qui est le secteur défensif, où ils ont un blessé pour le moment, où ils sont à peu près à 4, et puis c'est tout. Donc voilà, on se demande parfois où sont les jeunes talents que City va chercher un peu partout et on tarde quand même à les voir à un moment donné émerger dans cette équipe. Il y a Foden, on parle beaucoup de Cole Palmer, mais ce sont des joueurs offensifs. Ce sont des joueurs offensifs. Défensivement, ils vont peut-être avoir un besoin. Ce que je veux dire par là, c'est que si à un moment donné, ils installent à nouveau ce système avec ce faux neuf et que ça devait refonctionner correctement, qu'est-ce qu'il fait alors avec Haaland quand il revient? Moi, je pense qu'Haaland était une clé, sans doute, très utile pour la Ligue des Champions. Voilà. Qui leur manque. Ouais. C'est peut-être le. S'il y a un trophée à aller chercher. Je pense. Je ne sais pas si je pose la question à Christian, s'il a une l'impression en tout cas que ça peut être des compétitions différentes et si en effet ça peut être une clé plus pour la Ligue des Champions que pour le championnat. Mais voilà, ça m'interpelle. Et puis on va donner la parole à Christian pour y répondre. Il suffit de regarder le vainqueur de la Ligue des Champions, hein, le Real Madrid, qui a aussi une tradition de possession de balle, une tradition de s'imposer dans le camp de l'adversaire. Ils n'ont pas hésité à se sacrifier par moment pour pouvoir augmenter la percussion défensive et se projeter rapidement avec deux joueurs, puisqu'ils étaient dépendants de deux joueurs sur toute la saison au niveau de la Ligue des Champions, c'est-à-dire Vinicius et Benzema. Je pense que si, c'est vrai, Jean-François a raison, il peut peut-être être utilisé dans ce système-là, c'est-à-dire on peut avoir des moments où on subit, hein, on ne joue pas toutes les semaines contre Frankfurt ou contre Crystal Palace. Et donc, contre des équipes plus fortes, comme on l'a vu déjà contre Liverpool, hein, dans le Community Shield, ils n'ont pas eu beaucoup, pas nécessairement la majorité de la possession pendant la première mi-temps, et donc il va falloir se projeter. Et un truc que je veux ajouter, c'est que je me souviens avoir vu le documentaire All or Nothing avec Manchester City, et donc il y a notamment celui qui sort sur Arsenal, donc si vous pouvez le suivre, il disait... Quand les joueurs me posent une question et que je ne sais pas répondre, je leur fais croire que je connais la réponse parce que ça les sécurise. Eh bien, s'il y a un problème avec Alan, eh bien, il racontera bien une histoire à ses joueurs pour que les joueurs continuent à performer comme ils l'ont fait les deux saisons précédentes. Le problème, c'est que les joueurs ont vu le documentaire maintenant. Donc, entraîneur peut rimer avec bonimenteur. Bah. Évidemment avec un petit peu d'humour. Bon, mais en tout cas, ce sera déjà un match intéressant, ce déplacement de Manchester City du côté de West Ham. Je n'ai pas donné l'horaire, c'est dimanche à 17h30. Alors que les supporters de Manchester United, de Tottenham et de tous les autres clubs de Premier League ne soient pas fâchés, parce qu'on aura l'occasion d'en parler. Hein. PL Club, c'est tous les jeudis et on profitera évidemment des affiches pour parler de tous les clubs cette saison. Bien sûr, forcément. On a beaucoup de choses à dire en plus sur les clubs en général, puisqu'on les vit
au jour le jour quasiment. Et on a beaucoup de choses à dire aussi sur les joueurs belges. Bon, on rappelle quand même qu'ils restent une belle petite colonie. On n'est plus à la colonie des Belgian Premier League d'il y a quelques saisons. Mais on note notamment l'arrivée de Onana qui est passé de Lille et qui va jouer à 40 millions. 40 millions. West Ham. West Ham. Donc là, c'est vrai qu'on en a parlé de West Ham il y a quelques instants. Je ne sais pas s'il sera prêt déjà pour ce week-end, mais ça peut être un joueur belge de plus à suivre, un joueur intéressant dans le championnat anglais. Bah, les Belges, c'est une phase de renouvellement de joueurs plus jeunes qui sont arrivés, qui n'ont pas forcément du temps de jeu. Ouais. Lavia, Romeo Lavia, hein, qui passe de Manchester City, où il était souvent sur le banc du côté de Southampton, peut-être un joueur à suivre. Et puis, il y a un point d'interrogation sur l'avenir de joueurs comme Tielemans, qui est quand même toujours à Leicester, comme Pratt, Michy Batshuayi, qui est quand même toujours dans le milieu de Chelsea, mais qui va sans doute aller voir ailleurs, qui va peut-être rester en Angleterre. Donc, il y a pas mal de choses encore à dire. On aura l'occasion de le faire tous les jeudis, en tout cas en première diffusion. Le programme de ce week-end, on a parlé de trois matchs, mais voici le programme complet. Donc, Crystal Palace, Arsenal, vendredi à 20h55. La suite, Philippe. Eh bien, Fulham-Liverpool, c'est à 13h25. Et puis, je ferai Goal of the Day avec Baptiste Reginster. Le match principal, ce sera Newcastle, qu'on a hâte de voir dans cette nouvelle saison. Et surtout, le retour de Nottingham Forest face à eux. Et là aussi, Forest, on en parlera parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. C'est un club légendaire qui revient après tant d'années d'absence. Everton-Chelsea, c'est déjà un match super intéressant. Pour les deux équipes, on n'a pas parlé de Chelsea aujourd'hui, mais il y a quand même beaucoup de questions à se poser aussi sur Chelsea. Dimanche, 3 rendez-vous, Manchester United, Brighton, Leicester, Brentford et pour terminer, le champion Manchester City qui se déplace à West Ham. C'est le début de saison, donc permettez-moi de vous rappeler que vous pouvez nous retrouver sur les différents médias sociaux, de vous, que ce soit Facebook, que ce soit Instagram, que ce soit Twitter. Et petite nouveauté aussi cette saison, il y a maintenant une équipe fantasy. Est-ce que vous avez déjà fait votre équipe fantasy? Et vous, Jean-François, je ne vous demande même pas, je ne vous pose pas la question parce que je sais que c'est non, mais vous avez déjà fait votre équipe fantasy? Non. Eh bien, c'est le moment de le faire parce qu'il y a maintenant un groupe, Vous Sport, la communauté. Alors, vous devez faire votre équipe et chaque week-end, vous recevez des points sur les joueurs que vous avez sélectionnés. Et il y aura des prix à gagner. Donc, n'oubliez pas de la faire avant vendredi. Je pense que le deadline, c'est une heure avant la rencontre. Le rendez-vous est pris. Je serai prêt. Voilà. On vérifiera la semaine prochaine si vous avez fait votre équipe. Fantasy pour vous également. Peut-être que Christian aura aussi l'occasion de le faire. Christian qu'on retrouvera, bien sûr, la semaine prochaine. Salut, Christian. Au revoir, messieurs. Bon match. Voilà. Bon premier week-end de Première Ligue. Hein. Même chose pour vous, Philippe. On vous retrouve à l'antenne. Oui. Et Jean-François également. Et dans le DO lundi aussi. Voilà, et le DO lundi. Et rendez-vous le DO lundi, évidemment, de notre programmation. Merci en tout cas à vous de votre fidélité. Une nouvelle saison de Première Ligue, c'est évidemment plein de grands moments et beaucoup de passion à partager. On était aussi contents d'inaugurer ce studio. Super petit travail. On remercie évidemment tous ceux qui ont travaillé durement ces dernières semaines pour que la première soit une réussite. Merci, bonne soirée et à très bientôt. Bye bye.